Aujourd'hui, dans Tuto pour un champion, les aérioles. Arrivé à un moment sur Rocket League, on commence à jouer en l'air. Les aérioles sur Rocket League, c'est ce qui permet de différencier de tous les autres jeux de voiture. Une voiture qui vole, ça n'a pas de sens. Mais sur Rocket League, c'est l'essence même du jeu. Donc on va voir dans cette vidéo comment progresser sur ces aérioles et quelle étape suivre pour pouvoir en faire une correctement. La première chose à savoir, c'est de bien se positionner. Puisque si vous essayez d'aller sur une balle qui est à droite en allant vers la gauche, vous allez voir, c'est plutôt compliqué. Et en plus de ça, vous allez perdre énormément de boost. Je vais vous montrer sur une map d'entraînement ce que j'entends par le positionnement. C'est-à-dire qu'ici, on a bien notre capot aligné vers la balle, mais si on saute directement, on voit bien que faut quand même que je fasse un petit effort vers la droite pour pouvoir récupérer cette balle. Et donc cet effort va me coûter une dizaine de boosts. L'idée, ça va être ici de anticiper la trajectoire de la balle pour pouvoir être face au ballon et juste avoir levé son capot et le redescendre pour pouvoir viser le but. Donc si on part du principe que vous êtes mal positionné, essayez de vous mettre face à la balle avant de sauter. Puisque si vous êtes de dos et que vous sautez, vous allez devoir faire un effort sur la gauche et rater complètement votre balle. C'est pour ça que c'est assez important le positionnement pour pouvoir faire une bonne aériole. Je sens que moi je vais rater toutes mes balles lors de ce tuto. L'étape d'après est donc de bien gérer son timing. Et le timing dépend un peu du boost qui nous reste, des alliés et des adversaires, et où est positionnée la balle. Si par exemple la balle est au-dessus du but, mais que l'angle pour mettre un but est quasiment impossible, ne sautez pas dessus, ça n'a aucun intérêt. À moins que vous décidez de faire une passe en tapant sur le backboard, mais si votre allié est pas là, bah ça serait faire une passe au mec en face. Donc sur cette même balle, ce que j'explique en gros c'est que si vous sautez tout de suite, vous allez ici perdre beaucoup de boost et en plus être moins précis, puisque vous allez devoir gérer votre aérienne beaucoup plus longtemps. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, vous pouvez attendre le bon timing pour pouvoir ici faire une simple aérienne, où ici je n'aurais utilisé que à peine 32 boosts. Et c'est pour ça que je dis que le timing est très important, c'est que vous pouvez attendre même beaucoup plus pour même utiliser votre dash. Ça dépend de votre boost, mais ça dépend aussi des mecs en face et de ce que vous voulez faire. Et donc on en vient à la prochaine étape, c'est d'utiliser le double saut ou bien le simple saut. Pour information, on a le dash pendant 1,5 secondes. Passé ce délai, on n'a plus la possibilité de dash. L'idée c'est que si vous allez rester beaucoup plus longtemps qu'1,5 secondes en l'air, privilégiez le double saut. Et quand je dis double saut, je parle bien sûr du fast aerial, où on ne spamme pas la touche, mais on saute, on booste et on ressaute. J'ai pu faire déjà un tuto là-dessus, n'hésitez pas à y aller. Donc si vous voulez un repère pour utiliser le double saut ou le simple saut, utilisez à peu près ici, donc juste au-dessus du but. Si la balle est au-dessus de ça, utilisez un double saut, sinon utilisez un simple saut. Ici, vous allez pouvoir garder votre dash. On a le dash pendant 1,5 secondes, mais c'est très dur de calculer 1,5 secondes, donc privilégiez de mettre une seconde pour être large dans le fait d'avoir son dash. Puisque si vous jouez aux limites, bah vous allez souvent rater votre dash. Alors quelque chose de très important aussi, que je n'ai pas encore parlé, ça va être de comment toucher la balle. Comme à peu près toutes les touches, si vous voulez être précis dans vos touches, il faut taper avec le pare-choc avant. Ça va être la surface la plus fiable qui va vous permettre d'être précis dans vos touches. Lorsque vous tapez avec le pare-choc avant, on sait dans quelle direction elle va, puisqu'elle prend la même direction que la balle. Il suffit ensuite de la taper au bon moment pour pouvoir la diriger exactement là où vous voulez. Plus vous allez aller vite, plus elle va être forte, évidemment. On peut faire autrement, mais je vous conseille vraiment au début d'essayer de tout le temps taper avec le pare-choc avant. Puisqu'évidemment, on peut soit reset dessus, ou même essayer de taper avec les roues. Et maintenant qu'on sait quand, comment et dans quelle situation on peut faire notre aérial, on va pouvoir passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire le air control. Le air control signifie la maîtrise qu'on a dans les airs de la voiture, sans prendre en compte que ce soit le boost, le positionnement, tout ça, tout ça. C'est cette capacité à pouvoir se diriger en l'air et de faire un peu ce que l'on souhaite. Ce que je peux vous conseiller si vous êtes débutant, ça va être essayer déjà tout simplement de voler et de rester le plus longtemps possible en freeplay. Vous avez aussi la possibilité de décoller des murs, hop, un petit tonneau aérien, essayez de vous diriger de but en but ou de mur en mur. Il y a aussi un exercice intéressant, c'est vous laisser la caméra ballon et vous tourner autour d'elle en mettant des petits coups de tonneau et en tournant un petit peu. Vous allez pouvoir ensuite essayer de faire ça avec du air roll, mais c'est un peu plus compliqué. Et ça, c'était pour ceux qui ne sont pas sur PC, puisque évidemment, sur PC, on a la possibilité et la chance d'avoir les maps du workshop que je vous conseille et que je vous recommande énormément. Et pas simplement pour le air control, la maîtrise générale de la voiture va être grandement améliorée si vous faites pas mal de workshops. Le workshop va vous permettre de vous entraîner dans un environnement différent et donc de vous motiver un petit peu plus, puisque rester sur le même terrain avec une seule balle, au bout d'un moment, c'est assez ennuyant. Donc ce que je peux vous conseiller, ça va être les maps d'anneaux. Ici, on a les Giant Rings, par exemple. Mais on a aussi également des speed jumps qui vont vous permettre de faire des courses d'obstacles. La référence que je peux vous donner, ça va être la speed jump Trial 4. Et je vous mets au défi d'essayer de la faire en 2 minutes.
Plein d'autres vidéos sont disponibles sur ma chaîne et d'autres arrivent encore. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.